J'ai recherché ma mère pendant pratiquement un an. Je doute fort que Clarence Weedman ait réussi à la retrouver le même jour que moi. Il ne savait pas où la trouver. Il savait juste où me trouver. Bien que je n'ai jamais fait de don à l'Alliance pour la protection de la faune, j'ai gardé le taille-crayon qu'ils ont envoyé. Weedman écoutait quand j'ai réservé mon billet pour Barstow. J'aurais dû partir directement après le bal, mais je ne voulais pas que ma mère me voie fringuée comme je l'étais, alors que c'était la première fois qu'elle me revoyait en un an. Ça me paraissait important. Je sais qui nous fait ça, maman, je sais qui nous faisait chanter. Il m'avait forcément vue. Il savait qu'on était en contact. Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Chérie, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, mon cœur, je t'en prie. Je te cherche partout depuis un an. J'ai pas l'intention de repartir. Oh, chérie, tu m'as tellement manqué. Mais tout va mal. Ça ne fait qu'empirer. Tu ne devrais pas être ici. Pas plus que toi. Ça va aller. Maman? Maman, ça va aller. Tout finira par s'arranger. Clarence Weedman écoutait quand j'ai réservé mon billet pour Barstow hier matin. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il écoute maintenant. En fin de compte, je veux qu'il continue d'écouter.